Malgré une situation économique difficile pour tous, la générosité des téléspectateurs de TV Liberté est toujours présente, presque intacte. Il nous manque ce mardi l'équivalent de 80 personnes donnant 100 euros. 80 personnes donnant 100 euros déductibles des impôts pour mettre TVL à l'abri pour les prochains mois. Ce but peut être atteint si chacun se mobilise dans cette dernière ligne droite. C'est maintenant que nous devons lancer les chantiers de la rentrée. C'est maintenant qu'il faut renforcer la presse indépendante face aux partis des médias. C'est maintenant. Je compte véritablement sur vous avant jeudi soir. Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la chance de recevoir ce matin Charles Venant. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes très jeune, 23 ans, mais vous êtes passionné d'histoire. Vous êtes déjà dans la vie professionnelle, donc c'est sur vos temps libres que vous faites ce travail. Vous nous offrez une biographie d'un certain Pierre Duchesla, Le Chouan oublié. C'est aux éditions Le Lys et Le Lin. Et c'est un très joli travail que vous faites, parce qu'il dépasse, à mon avis, la vie de cet homme, encore que cette vie soit très importante et que vous nous faites, faites revivre cet homme, oublié pour diverses raisons, on va le voir. Mais vous, votre culture et votre regard vous permet de raconter ce qui se passe autour et donc de planter le décor de ces années entre 90 et 99 de la chouannerie bretonne, puisque nous sommes en Bretagne. Nous sommes dans un endroit que je ne connaissais pas, mais je suis allée voir où c'était. Languélan, voilà. Alors c'est où? Entre Carex et Lorient, grosso modo? À peu près, grosso modo. Si on zoome un peu plus sur la carte, c'est près de Guéméné-sur-Scorff, hein, connu pour son andouille, notamment, oui. Le de Guéméné. Et c'est le pays Pourlette, comme on dit en Bretagne. Le pays Pourlette. En Bretagne, la Bretagne est divisée en plusieurs petits pays. Oui. Alors c'est plus un point de vue des traditions, des coutumes, oui. Du costume notamment. Oui. Et donc cette région-là, c'est le petit pays Pourlette. Un vrai Breton reconnaît quelqu'un qui vient de cette région-là, parce que le gilet traditionnel a toute une rangée de boutons en continu. Voilà, la coiffe que portaient les femmes est plutôt plate. Ouais, c'est des détails dans les costumes. Et bien dans sûr, les bien sûr. Mais c'est le pays pour les toits. C'est à ça que servait le costume. C'était l'identité de chaque petit coin de tout cette à fait. Bretagne. Et tout le monde en était toujours très fier de son, oui. Son sa ville ou son village d'appartenance. On n'avait pas de problème d'identité ce temps-là. Hein, les Bretons, d'ailleurs, les Bretons n'en ont toujours pas. Effectivement. Visiblement. Ce personnage, ce personnage est très intéressant. Vous l'avez découvert parce que vous habitez. Voilà, c'est ça. Languélan, c'était mes parents avaient une maison de vacances là-bas, donc c'est vrai que à chaque vacances on y allait. Et j'ai toujours été passionné par l'histoire. Comment ça vous est venu? Un professeur merveilleux? Ah, je ne saurais pas dire. Je me souviens que le premier livre que j'ai eu entre les mains quand j'étais petit, c'était un livre sur les chevaliers. Et depuis, j'ai le goût de l'histoire, ça a continué. Et après, non, j'ai toujours beaucoup aimé m'intéresser à l'histoire des lieux où je vais. Parce qu'on s'attache mieux à un endroit, à une maison, à un pays, quand on connaît son histoire. Et j'avoue que j'ai eu cette curiosité qui est apparue déjà d'abord pour l'histoire de Languélan de manière générale. J'en ai même fait un
un livre que j'avais auto-édité, voilà, qui s'était vendu là-bas. Oui. Et ensuite, je m'étais intéressé à ce personnage un peu historique de la commune, Pierre de Chélat. Tout le monde disait là-bas, tous les Languedanais disaient, voilà, on a un personnage célèbre qui était un officier chouan. Et la rue principale de ce petit village, hein, s'appelle de 400 habitants, rue du Chélat. Et moi, j'avais remarqué que finalement, les gens savaient que c'était un chouan, mais ils ne connaissaient pas plus de choses que sa vie. Il y avait certains lieux, voilà, il y avait son manoir du reste, qu'on savait, il avait habité là-bas. Et puis, voilà, du coup, la curiosité est venue, l'envie de savoir qui c'était, quelle a été sa vie, et puis se lancer dans les recherches. Je trouve que vous êtes un peu archéologue. Oui, un tout peu. Historien oui. est un archéologue. Oui. Au lieu de gratter la terre, il ouvre des archives et voilà. il cherche. Effectivement, je pense que le travail d'un historien, ça a de la valeur quand il va aux sources, dans les archives, Bien dans sûr. Les recherches, et recouper avec Et alors, quelles archives vous avez fréquentées ? Alors, surtout, c'était les archives, évidemment, du Morbihan, à Vannes. Mmh. Ils ont un fonds assez important sur la période révolutionnaire. Oui. Qui se limite toutefois malheureusement à tout ce qui concerne le judiciaire, la police, et voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'archives privées, il n'y a pas de mémoire, de documents, c'était surtout essentiellement des pièces judiciaires. Donc à chaque fois, c'était des chouans arrêtés, des procès, voilà. Mais c'est déjà une source d'information. Une bonne source d'information. Il y avait aussi toute la correspondance administrative des districts, des villes, puisque à chaque fois qu'une lettre officielle était émise, une copie était faite dans un registre, ce qu'on appelle du coup les registres de correspondance. Oui, c'est donc très là, intéressant c'était plus aussi. De détails. C'est la chair du pays. Exactement. Le risque, bien sûr, c'est qu'on n'a que les archives côté républicain, ce qui veut dire qu'il faut les manier avec précaution, prendre un peu de recul. Prendre un peu de recul. Si on remarque que, en fonction de l'interlocuteur, de celui qui tenait la plume ou celui qui a rédigé la lettre, la vérité est plus ou moins. Voilà, on sent plus ou moins de fanatisme, si on veut, plus de recul. C'est très intéressant aussi, on se fait une idée de la personne qui écrit derrière le texte qu'on a entre les mains. Et donc voilà. Ensuite, il y a bien sûr les archives militaires à Vincennes, puisque Pierre de Chélat a été officier dans l'armée royale. Et ensuite, à la fin de la chouannerie, au moment du retour de Louis XVIII, il a demandé une pension. Et pour ça, il a fallu établir vraiment des états de service de son temps passé Bien dans sûr. La chouannerie, conservé du coup à Vincennes. Voilà. Et puis après, les autres sources, ça a été les autres ouvrages plus généraux sur la chouannerie. On trouvait ça à sa trace, voilà, dans quelques lignes. Quelques il fallait lignes. Piocher un peu partout, recouper. C'était vraiment intéressant. Alors, votre livre commence par une préface extrêmement intéressante de Vincent de Raymond du Chélat, voilà, qui est donc le descendant. Le descendant, oui, le descendant en ligne directe de Pierre du Chélat. Je ne sais plus si c'est l'arrière petit-fils. Alors, voilà. Ce qui est amusant, c'est que lui s'appelle Vincent de Raymond du Oui. Chez là, alors que votre héros, Pierre, la famille se faisait appeler Pierre du Chélat d'un seul. Vous direz que les temps étaient révolutionnaires, il valait mieux supprimer sa particule. C'est vrai que je me suis toujours demandé pourquoi il avait choisi d'écrire son nom comme ça, dans les lettres qu'il écrivait. Parfois, il signait son nom de guerre, surtout sous la chouannerie, qui était la couronne. Oui. Et parfois, il signait du Chélat. Mais il n'y avait pas que lui, sa mère, sa sœur, sa famille, signaient aussi du Chélat attaché. Oui. Mais c'est vrai que la vraie famille, c'est de Raymond du Chélat, originaire du Dauphiné, hein, de la Franche-Comté. Oui, oui. Et le nom complet, c'est de Raymond du Chélat. Après, je n'ai pas vraiment d'explication sur pourquoi il a décidé d'abréger le nom. Mais... Je crois que d'autres gens l'ont fait, et d'autres, et d'autres personnalités aujourd'hui françaises, françaises, un petit peu trop progressistes et démocratiques, et ils veulent en rajouter, et ils suppriment leurs particules, tellement ils en ont. Je ne sais pas si dans son cas, oui, c'était sa donc motivation. Ça arrive. Oui, voilà. Alors, en tout cas, notre préfacier, donc, le descendant de Pierre, est assez lucide sur l'histoire de France, et notamment l'histoire de la Bretagne. Ce que j'aime chez les Bretons, c'est leur nuque raide. Oui. Effectivement. Ça doit être pour ça que je suis un petit peu raide de la nuque aussi, parce que j'ai l'ascendance bretonne. L'histoire de France, écrit-il à l'école, n'est pas l'histoire de la France et des hommes qui y ont vécu, mais l'histoire de l'État français.
c'est-à-dire d'un certain pouvoir qui s'étend progressivement dans l'espace. Et il est étonnant d'entendre encore des enseignants apprendre à nos enfants que la Bretagne est devenue française à la suite du mariage d'Anne de Bretagne en 1491 avec le roi de France Charles VIII. On oublie de leur dire que précisément, dans le contrat de mariage, la duchesse excluait formellement l'annexion de ce pays au royaume de France, et ce n'est que plus tard, un siècle après sa mort, qu'un édit entérina le rattachement définitif de son pays à la France, édit de Nantes en 1532, et finalisé seulement à la Révolution française par l'interdiction de siéger faite au Parlement de Bretagne. C'est une magnifique introduction, une magnifique préface. C'est clair, c'est net et sans bavure. Alors moi je suis un petit peu au courant de ça parce que je lis les propos du docteur Louis Mélenec, oui, qui est un breton militant extrêmement instruit, c'est un médecin de son métier, oui, mais c'est un passionné d'histoire, et il défend la Bretagne bec et ongle, et ce propos-là, il le dit bien évidemment très souvent. Et donc, deuxième partie de cette préface, la chouannerie morbihanaise a été assimilée à des bandes de brigands dévastant le pays. Oui, tout à alors, fait. Ouais. Autre méfait de notre bonne histoire républicaine ? Alors effectivement, je pense que il y a eu une exagération, bien sûr. Comme je le dis, il y a eu le roman national français qui a, ouais, présenté la chouannerie comme des brigands. Comme des brigands. Et même, alors je sais que certains ne vont pas forcément être d'accord, mais comme l'on réduit simplement à son côté royaliste, à se soulever pour le roi, oui, et pour Dieu et la religion. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Effectivement, le premier facteur de mécontentement, c'est la nuit du 4 août, l'abolition des privilèges, mais pas uniquement ceux de la noblesse, ceux des régions. Donc la Bretagne a perdu les privilèges octroyés par plusieurs rois c'est au cours ça, des siècles précédents. Ça, et notamment, le symbole de cette déliquescence des droits bretons, c'est l'abolition du Parlement de Bretagne, les États du Parlement de Bretagne qui ont disparu. Donc, quand Armand Larouëri, l'instigateur de la chouannerie, lance le mouvement, il fédère des Bretons mécontents de cette abolition des privilèges. Mmh. Et ensuite, la question du royalisme et de la religion vont arriver un peu après. – Alors, restons un peu sur ce mot privilège, parce qu'on dit pas mal de sonneries sur le sujet. – Oui. – J'adoucis mon propos, oui, avec un S. Le privilège, c'était pas vraiment le droit de se goberger non, de manger du foie gras, non, à tous les repas, arrosé de champagne. – Non. Et vous voyez, approfondir cette notion de privilège. Parce que notre duchala, il est duchella, c'est ce qu'on appelle une petite noblesse très désargentée. Exactement, une noblesse, un petit gentilhomme de campagne, ouais, comme on dit. Et effectivement, très souvent, même lui, il se présente comme un laboureur. Et ouais, j'ai remarqué que c'était quelque chose qu'on c'est pas un cas isolé. On retrouve effectivement chez ces petits nobles à la tête, qu'ils soient vendéens ou chouans, parfois ils se présentent comme laboureurs. Parce que c'est un fait, ils sont parfois pas plus riches que les métayers qui dirigent ou que les paysans de la paroisse. Pour en revenir sur les privilèges, j'aborde très clairement cette question à un moment au début du livre, oui, quand je parle de comment on devenait officier, oui, dans l'armée royale. Absolument. Je parle du cas de son père. Et où on croit trop souvent, pareil, ça a été une réduction, que seuls les nobles avaient le droit de devenir officiers dans l'armée royale, oui, et que c'était un privilège qui ne leur coûtait rien. C'est faux. C'est faux. On a beaucoup, c'est M. Vincent Huchet qui m'a fourni de la documentation là-dessus, et je le remercie. On oublie qu'il fallait acheter le grade. Une somme assez faramineuse. Ah, énorme, vous le dites, 60 000 euros. Au final, oui, à peu près 60 000 euros. Et en plus, après, il fallait payer, voilà, les soldats de, voilà, sa compagnie. Entretenir sa compagnie. Oui. Le colonel du régiment pouvait aider. Et comme je le dis et je conclue ce paragraphe là-dessus, le seul qui gagnait, c'était le roi, qui au final n'avait pas beaucoup à débourser pour l'entretien de ses régiments.
C'est et ce ces officiers nobles mettaient un point d'honneur à entretenir leur compagnie et leur régiment. Alors, et que ce soit le plus beau du royaume. C'est ce qui s'appelle la décentralisation. Exactement. Hein? Voilà, c'est malin comme système. Mais non, voilà. Alors je crois qu'il faut dire que c'est le peuple de France doit faire tout ce qu'il est dans sa possibilité. Charles Maurras a un mot pour ça, ça s'appelle la subsidiarité. C'est-à-dire que l'État ne doit pas tout faire, chacun dans son village fait ce qu'il peut faire. Voilà. Ce qui est finalement quand même très intelligent parce qu'on arrive à un système de responsabilité très répandu. Effectivement, et chacun a l'impression de participer au corps actif de l'État, si on veut, en apportant sa contribution et en jouant un rôle. Effectivement. C'est tout de même beaucoup mieux que de prendre de l'argent à tout le monde, centraliser tout ça, exactement, payer des fonctionnaires, et au bout du compte, pour beaucoup moins d'efficacité. Et je rajoutais, ce qui est beau aussi, c'est que ces officiers, ces nobles, ces privilèges qui leur coûtaient, ils y tenaient quand même, pour cette raison, effectivement, que vous dites, parce qu'ils participaient vraiment à la vie de l'État, et en aucun cas ils étaient prêts à renoncer à ces privilèges. C'était un point d'honneur. Un point d'honneur. Voilà. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui a un petit peu disparu. Oui, la notion d'honneur. Mais vous faites bien d'en parler. Oui. Le point d'honneur, d'autant plus qu'on va le voir, il va jouer sa vie sur un point d'honneur. Effectivement. Ouais. Alors, il faut rappeler que donc, la noblesse avait trois carrières privilégiées, qui étaient l'armée, la justice ou donc être avocat, l'église. Juge et l'église. Voilà, l'épée, la robe ou le goupillon, comme on dit. Voilà. Effectivement. Voilà. Alors, après cette introduction de cette préface donc du descendant, j'ai beaucoup aimé la vôtre aussi parce que elle nous plante le décor et on saute à la conclusion, si vous, en quelque sorte. Oui, c'était important, je pense, de mettre le lecteur déjà présenter le personnage. Voilà. Ouais. Alors, il n'y a pas de photo de Pierre Duchella. J'ai choisi Jean Chouan, mais de façon emblématique. Jean Chouan était en Mayenne, Pierre était en Bretagne, mais je l'ai choisi pour avoir une photo pour illustrer. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a tout de même énormément bataillé, 57 Une cinquantaine de combats. Comme je le rappelle à chaque fois, titre de comparaison, en 4 ans de guerre, Pierre Duchella a mené 50 combats, comme en 4 ans de guerre, alors je sais qu'autre époque, hein, mais le général Custer, pendant la guerre de sécession, a mené autant de combats, on l'a nommé général Pourcès, c'est devenu un héros de guerre. Donc voilà, petite comparaison pour montrer l'importance de son action dans la chouannerie. Ouais. Oui, absolument. 50 combats, c'est pas rien. Ouais. Ah, bien sûr, non. Alors, que s'est-il passé dans cette fin de carrière, si je puis dire, au moment où les Républicains sont sur le point de gagner? Alors, effectivement, je pense que c'est un point important, c'est le Chouan oublié. Voilà. Il s'est passé quelque chose. C'est le titre de votre livre. Voilà. Il s'est passé quelque chose qui fait que malgré cette cinquantaine de combats, malgré le fait qu'il soit colonel d'une division dans le Morbihan, il y en avait cinq, six, enfin c'était pas rien quand même. Il disparaissent un peu comme ça. La raison, il disparaît pas puisque il est très aimé et il va finir sa vie maire. Oui, effectivement, maire de son village. Donc c'est quand même, c'est ce qu'on appelle un notable. Comment expliquer que dans tous les livres sur l'histoire de la chouannerie morbihanaise ou de la chouannerie bretonne, on parle de tous ces homologues qui étaient à même grade lui et qui avaient une action aussi importante, hein, Jean-Jean, Pierre Guillemot, Caludal et tout ça, et pas lui. Et en 96, fin de la troisième chouannerie, il s'est rendu. Voilà, ça, c'était la version, on va dire, officielle jusqu'à maintenant la courte biographie qu'on connaissait. 1796, il a mis bas les armes, comme d'autres. Hein, c'était au moment d'une paix générale. Oui. Et il y avait deux versions. Soit vous mettiez bas les armes honnêtement, en disant cette fois on arrête le combat, ou soit c'était pour gagner un peu de répit et reprendre la lutte un peu plus tard. C'est ça. Et quelques-uns pour émigrer.
Effectivement. Il y en a aussi qui ont émigré. Effectivement, il y en a qui ont émigré, mais la grosse majorité, la raison, c'était souffler un coup pour pouvoir repartir quelques mois plus tard. Et à cause de cette reddition, il a été du coup un peu mis à l'écart, parce que lui a respecté ensuite cette reddition. L'intérêt du livre et de mes recherches, ça a été de comprendre en fait qu'est-ce qui l'a motivé au cours de, déjà de sa vie, au cours de ses années dans la chouannerie, pour arrêter le combat aussi franchement et honnêtement, pas abandonner la cause, mais vraiment arrêter le combat. Et ensuite, qu'est-ce qui lui a valu cette mise au pilori? Et j'ai remarqué effectivement que dans les archives, dans la manière dont on parlait de lui, en fait c'était un officier de la vieille école, c'était un homme de la vieille école qui avait énormément de droiture et d'honnêteté. Et la chouannerie, il n'aimait pas le côté frontière, il n'aimait pas, effectivement, on parlait des brigands tout à l'heure. Il n'aimait pas la guerre civile. Voilà, la guerre civile, la guerre fratricide, il n'aimait pas le côté brigandage, alors, qui était pour la cause. Hein, Ça l'a un peu écœuré. C'était quelqu'un de pragmatique. Voilà, il a failli perdre sa famille aussi. Ça, c'est important. Ils avaient tous un peu de famille, mais lui, c'était vraiment sa femme et ses enfants. Ça l'a un peu, effectivement, écœuré. Et je pense qu'au bout d'un moment, c'est quand même quelqu'un de pragmatique. Il s'est dit, ça apporte plus de malheur qu'autre chose. Ça apporte énormément de morts. Aussi sa conscience, sa lucidité. Il a vu que le combat était fichu. Oui. Et dans ces cas-là, il est quand même un peu sot de s'obstiner et de faire couler le sang continuellement. Après, pour juste terminer, quand même, ça c'est important, dans la version officielle jusque-là, on dit qu'il a mis bas les armes en 1796, mais mon travail de recherche a quand même mis en valeur le fait que, certes, il a arrêté la lutte armée et ouverte en 1896, mais qu'il a continué dans les années qui suivront à entretenir une correspondance régulière avec Cadoudal, avec les autres chefs qui l'avaient accompagné, à leur prodiguer ses conseils, parce que c'était quand même c'était un peu le sage du Morbihan. C'était le sage, voilà, il était plus âgé que… Plus âgé, effectivement. Oui. Très expérimenté, il leur prodiguait ses conseils, et on le retrouve, et alors là, c'était quand même une découverte assez… réjouissante, effectivement, dans l'assaut de la ville de Saint-Brieuc, mené en 1800, si je ne me trompe pas, par Pierre Mercier, où il se trouve qu'il était vraiment dans l'armée de Pierre Mercier à ce moment-là, qui commandait l'arrière-garde, mais… Apparemment, il a voulu que son rôle reste discret. Toujours pour ne pas mettre en danger sa famille. Voilà, il s'est dit, on peut peut-être continuer plus clandestinement. Après, arrive la dernière chouannerie de 1815. Et là, c'est clair et net, il refuse. Oui. Il dit, je n'y retourne pas. Peut-être parce que la situation politique s'était calmée. Le Morbihan, la Bretagne, a retrouvé quand même une certaine prospérité. Enfin, voilà. Et donc, il a refusé. Puis, il était un peu plus âgé aussi maintenant. Voilà. Il y a une pièce de théâtre qui a été écrite en 1914 par Guy Kérones. Oui. Et je vais lire ce texte, un tout petit texte, parce que je trouve qu'il est extraordinairement, c'est d'ailleurs pour ça que vous l'avez mis en exergue de votre introduction, il est très significatif. C'est que moi j'ai vécu, tout comme vous, un rôle pendant ces temps passés, épique et confus, où pour nos lits, le soir, nous avions les affûts des canons ennemis que nous prenions la veille. Mais je n'ai pas trouvé ces temps une merveille, car quand nous pourchassions les bleus dans nos taillis, leur sang faisait saigner mon cœur pour mon pays. Et je pleurais parfois de combattre mes frères, car ces temps, je les trouvais amis trop funéraires. Je trouve que cet homme a… Je ne l'ai pas choisi par hasard. Parfaitement, bien sûr. Parfaitement la sensibilité de cet homme et l'horreur de la guerre civile. Voilà. Monterland disait, les guerres les pires sont les guerres civiles. Les guerres civiles, et en ces temps de guerre ukraino-russe, il est bon de rappeler ça à tous les va-t-en-guerre qui veulent se battre, qui veulent que la Russie et l'Ukraine se battent jusqu'au dernier Ukrainien. Oui. Petite parenthèse. J'ai envie de parler aussi d'un autre livre sur la guerre qui vient de sortir, que j'ai commencé à lire et qui est effrayant. C'est l'inédit de Céline, qui s'appelle Guerre. Oui, beaucoup entendu parler. Et dont je citerai une seule phrase. La guerre est entrée dans ma tête.
Il est en, nous sommes dans la guerre de 14-18, il reçoit un éclat d'obus dans l'oreille ou près de l'oreille. Et il va souffrir le martyre. Et il a cette phrase, avec cette langue éblouissante d'images fracassantes, il dit « la guerre est entrée dans ma tête ». Et finalement, j'ai en quelque sorte compris que ce style de Céline, finalement, c'était toujours les éclats d'obus sur la guerre. Oui. Vous voyez ? Effectivement. C'est une espèce d'éclatement perpétuel. Oui, et puis que ça rentre dans la tête. Comme dit, ça lui rentre dans la tête. Maintenant, c'est le traumatisme voilà. Et tout ça, mais qui est profond et ça marque les gens. Oui. C'est un très grand livre à lire. Oui. Mais il faut lire Pierre Duchesla, voilà. Le choix oublié, chers amis de TV Liberté, parce que vous écrivez fort bien. Je ne sais pas où vous avez été formé, mais vous écrivez fort bien et vous nous emmenez, parce que c'est aussi ce que je voulais mettre en valeur dans votre livre. Vous rendez parfaitement la chair de cette vie de village. Oui. Vous nous rappelez que la sœur de Pierre a, selon une ancienne tradition, ont eu comme parrain et marraine deux mendiants de la paroisse. Oui. Oui. Vous citez les noms, François le Boédec et Françoise Jacques. Et pourquoi ? Il fallait rappeler à l'enfant, issu d'une famille aristocratique, qu'il devait toujours se montrer proche des pauvres et des faibles et ne jamais s'enorgueillir de sa naissance. Oui. Une leçon d'humilité, en somme. Oui, c'est pour ça que j'ai tenu vraiment à le mettre dans le livre, parce que c'était un détail qui avait son importance. C'est-à-dire que ça tue toute la propagande à la noix révolutionnaire puis marxiste, c'est la même chose. Complètement. Disant que ces gens-là avaient une morgue, non. Une caricature, non. Complètement fausse de la réalité. Pour voir d'ailleurs, la réalité d'ailleurs tous ces régiments, que ce soit à l'armée ou que ce soit chez les chouans, les officiers emmenaient les gars du village avec qui ils avaient joué. Oui, effectivement, j'aurais beaucoup aimé détailler le côté avant la Révolution, après la Révolution. Vous parliez, et c'est le propre d'une guerre civile, et ça se retrouve dans toutes les petites anecdotes sur la chouannerie dans cette région, même la chouannerie de manière générale, ou les guerres de Vendée, c'est qu'ils se retrouvaient des fois à affronter des gens qu'ils connaissaient avant la Révolution, pour lesquels ils n'avaient aucune antipathie particulière, aucune haine. C'est ça. Et c'était terrible. Ils se retrouvaient à combattre dans des rues de villes ou de villages qu'ils avaient fréquentés avant la Révolution, paisiblement, pour aller faire leur marché. Et puis ils se retrouvaient 3 ans plus tard à prendre d'assaut cette même halle, ce même marché, où ils avaient vécu, comme on dit, des jours heureux. C'est pour ça, c'est différent. On ne va pas se battre en terre étrangère avec des gens qui ne parlent pas notre langue, qu'on ne connaît pas, que le seul point commun, c'est que c'est des humains comme nous. On tue son frère. On tue son frère. Son voisin. Dans son pays. Son voisin, Son voisin. Ce qui s'est passé en France pendant l'occupation. Voilà. Après, de manière plus légère, des fois, du coup, on retrouve des histoires où, parce qu'on connaît la personne, on ne l'exécute pas, ou parfois... On lui rase seulement la tête. Blancs, on lui rase seulement la tête. C'est ça, voilà. Des fois, voilà, c'est... Enfin, il y a l'abrute ivrogne qui tue toute la famille. Oui, effectivement. Toujours, il y a le matamor et le va-t-en-guerre, comme on disait. Exactement. Voilà, je cherchais, c'est une des qualités aussi des livres, des premiers livres édités par la maison d'édition Le Lys et Le Lin, les livres d'Armand Bérard, le roman de la Durbelière. Oui. Et on voit très bien, parce que Armand présente, il est venu à ce micro, Armand présente l'enfance de ses héros, et on voit bien qu'il fait les foins avec le fermier d'à côté, et donc le fermier de son père, et que donc, quand il part à la guerre, ils deviennent très amis, et quand ils partent à la guerre, eh bien, ils partent ensemble, fils du fermier et le jeune officier. – Vous aviez une solidarité, une cohésion qui existait. – Il y avait une amitié française, une amitié, avant qu'on ait foutu cette sinistre lutte des classes, il y avait cette amitié. Oui.
Et ça, d'abord, c'est très important de s'en souvenir qu'il y avait cette amitié, loin de ces caricatures, mais c'est cette amitié qu'il faut retrouver. Sinon, voilà. Tout à fait. J'en profite pour évoquer les autres livres d'Ulysse et le Lin, ouais. Parce que ce sont des livres très axés sur la chouannerie. Les guerres de Vendée en premier. J'avoue que j'ai été le premier chouan. Les guerres de Vendée, absolument. Il y a les mémoires de Madame de Montchamp qui sont extrêmement intéressantes, oui, et fort merveilleusement écrites. Oui. On rappelle que Madame de Bonchamp est veuve du général de Bonchamp, qui est mort au combat et qui, avant de mourir, a libéré tous les prisonniers que les chouans avaient faits. Geste que la République a annihilé, puisque je crois que la République a tué tous les prisonniers. Même sur certains prisonniers qui avaient été libérés, les retrouver. Pour qu'ils ne puissent pas témoigner de l'honneur, du sens de l'honneur et de la magnanimité du camp d'en face. Toujours la classe. Alors. Vraiment, lisez, il y a un livre qui s'appelle Céleste, le manuscrit de l'Amazone. Oui. Vous pouvez nous en parler ? Non. Si je me souviens bien, c'est la biographie d'une Amazone qui effectivement… C'est une femme et son époux qui suit l'armée catholique. C'est ça, qui reprend un peu l'histoire des Amazones de Charette ou de toutes ces femmes qui ont combattu dans les rangs des Vendéens. C'est un peu cette idée-là, c'est d'en parler à travers un roman. Ouais. C'est ça. Et bon, là aussi, c'est très concret. Il y a Ainsi était Saint-Louis. Oui, de Jean-Noël Toubon, qui a une grande admiration pour Saint-Louis, effectivement, qui connaît très bien, de manière générale, le Moyen-Âge, et qui veut remettre en valeur les rois de France et cette période de l'histoire de France, qui a son sens, mais il a raison. Et oublier elle aussi, ou alors complètement dénigrée, mal présentée. Il faut rendre leur histoire aux Français. Voilà. Et puis Marie-Jeanne la Vendéenne, 1792, tant de paix, tant de joie. C'est écrit par René Charrier. Ah, il a une sacrée histoire ce roman. Alors si je me souviens bien, effectivement c'est… C'est deux frères. Sur vraiment l'origine du livre, oui. René Charrier, qui était un paysan vendéen, j'espère que je ne me trompe pas. Paysan vendéen, voilà, qui entendait des histoires racontées par son père et son grand-père sur les guerres de Vendée, oui. Des histoires qui se transmettaient de génération en génération, racontées en patois vendéen. Et donc, il en a écrit un roman, l'histoire de. Voilà, qui ensuite. Si je me souviens bien, il l'a écrit en vendéen, en fait, en patois. Et il a fallu le traduire. Et c'est Jean-Claude Guignard qui s'occupe d'aujourd'hui de diffuser le livre, de le présenter. Il a une histoire, ce livre aussi. Et puis, Auguste le Balafré, Auguste de la Roche-Jacquelin, c'est le grand livre d'Armand Bérard. Un grand livre qui met bien en valeur cette époque de la Restauration, jusque des légitimistes et de ces ultimes petits sursauts pour essayer de vraiment rétablir l'Ancien Régime et d'avoir la dynastie des Bourbons sur le trône. C'est très intéressant parce que tous les personnages dont il parle sont tous des descendants de Charette, de la Roche-Jacquelin, ils sont tous dans l'ombre des grands héros vendéens. Un livre vraiment très intéressant pour découvrir en détail cette période un peu obscure de l'histoire. Oui. Et puis, il y a un livre terrible, ce sont les lettres de soldats républicains pendant la guerre de Vendée, 1793-1795. Oui. Alors là, je ne vous dis pas, j'en ai lu quelques pages, mais c'est insupportable à lire. Insupportable C'est insupportable à lire pour la première raison, c'est que c'est pas du roman. Il raconte ce qui se passe. Ce qui se passe est horrible. Et quand on sent un peu d'humanité et un peu de tristesse, ça va bien, mais quelquefois, on ne sent rien du tout. J'en ai éventré 10. Voilà. C'est froid et implacable de certains.
Et c'est vraiment épouvantable. Du coup, le travail de l'auteur est quand même très intéressant. C'est vrai que c'est une bonne idée d'essayer c'est, de, on faire, touche, de on touche. Rendre publiques ces lettres et de montrer la réalité concrète. Si on touche la guerre civile concrète. Dans son voilà. horreur. Voilà. J'avais lu les correspondances des jeunes soldats de la guerre de 14, ouais. et ça aussi, c'est, un, ouais. c'est quelque chose d'illisible pour les âmes sensibles, parce que c'est trop dur. Alors, autre petit signe des temps, les églises qui deviennent des mairies. Oui. Alors, on supprime. Oh. Au meilleur des cas, j'ai envie de dire, sinon ça devient un stock de munitions, une écurie pour les chevaux. Enfin, elles ont été transformées de toutes les manières possibles et inimaginables. Parfois, les combats dans les villes se terminaient dans l'église où les républicains se retranchaient. Et j'aime bien citer cette petite anecdote de Cadoudal qui prend d'assaut l'an des vents, si je ne dis pas de bêtises. Les républicains sont retranchés dans l'église. Il avait un canon avec lui. Plutôt que de faire tirer au canon, prendre aucun risque, eh ben, c'est le commandant d'une de ces troupes d'élite qui prend d'assaut à la baïonnette l'église pour ne pas avoir à la détruire entièrement. Voilà. Du coup, ça a coûté des vies humaines, mais c'était préférable à raser complètement l'église à coups de canon, ce qui aurait été plus simple pour tout le monde. Mais, ce respect des églises. Ouais. Ce respect des églises. Mmh. Et où le non-respect, oui. vous montrez que... Il y a des églises au fronton duquel il y avait marqué ouais. Saint Cœur de Marie ouais. et qui deviennent des temples de la raison, ouais. parce que c'est très raisonnable, ouais. c'est très raisonnable d'assassiner son voisin, ouais. avec la devise liberté, égalité, fraternité. Mais ça, on le voit dans les villages français. Ouais. Dans le sud, au-dessus de Briançon, il y a des villages où on est absolument sidéré de voir la devise. Oui, oui, qui ont été complètement transformées, mais... Après, qui sont redevenus des églises, mais enfin. Oui. Après, c'était vraiment des cas, heureusement, en tout cas en Bretagne, extrêmes. En Vendée, je dis pas. Effectivement, en Vendée, c'était un débordement de fanatisme républicain. En Bretagne, ça a été quand même plus modéré. Et j'en parle quand je raconte l'assaut de la ville de Guéméné. Et c'est un détail qui avait son importance. Voilà, là, pour les Chouans, c'était inacceptable qu'une église soit profanée comme ça. Du coup, les républicains en ont fait les frais. Mais on retrouve moins de cas, fort heureusement, de cas similaires dans le Morbihan, dans le reste de la Bretagne. Voilà, c'était un peu plus isolé. Beaucoup de citations parce que vous êtes aussi, vous aimez la poésie, oui. vous aimez, ça se sent. Et vous citez le chant des chouans de Théodore de la Villemarquée. Alors, Théodose, non Théodore de la Villemarquée. Théodore, en fait, oui. c'est issu d'un recueil de chants que les Bretons connaissent bien, le Barz à Brez, qui est un recueil fait par la Villemarquée, effectivement, qui regroupe un peu tous les chants traditionnels bretons. C'est l'époque d'Arthur de la Borderie, c'est l'époque où, de la Troisième République, où on a besoin de reforger l'identité bretonne. Et parmi tous ces chants, effectivement, il y a des chants chouans, dont l'origine est indéterminée. Oui. Ce n'est pas la Villemarquée l'auteur de ce chant-là. Mais c'est des transmissions de bouche à oreille, vraiment dans la pure coutume, tradition oui, oui. Ancestrale. Et sauf que ce chant, je trouvais qu'il c'était un résumé de la chouannerie et qu'on pouvait caler plusieurs passages à chaque époque, chaque année, oui. ce qui correspondait assez bien. Oui, c'est ça qui est inouï. Mmh. Alors, en 1794… Le chant est en breton. Hein, oui, mais je ne suis pas assez… J'ai jamais appris le breton, à part Kenavo. Oui, les bases. La guerre a commencé dans le royaume de France et elle ne finira jamais s'il plaît aux hommes dangereux. Ouais. C'est d'une intelligence, ouais. ça. Oui, oui, oui. La guerre continue tant qu'il y a des hommes dangereux, des hommes qui veulent la faire. Oui, oui, c'est ça. Exactement. Dans la chouannerie, il y a une forme de poésie qui va avec l'identité bretonne, parce que je ne crois pas qu'on retrouve ça dans la guerre de Vendée. Je fais bien une distinction entre les deux. Il y a une distinction à faire entre chouannerie et guerre de Vendée, mais bon, ça c'est un autre sujet. Oui. Mais il y a effectivement toute cette identité, cette culture bretonne qui se mélange déjà dans les cris de guerre, tout bêtement, le Toré Ben pour le casser lui la tête, il partait à l'assaut en criant « Doué à Kerouet, Dieu est le roi », il le disait en breton.
Les chouans parlaient breton. Et moi, je pense que les commandements se donnaient en breton aussi. Vous parlez breton ? Un peu. Vraiment le minimum. Au bout d'un moment, voilà, il y a certains mots qu'on retient. Disons que je plutôt pas mauvais en toponymie, c'est-à-dire dans le nom des lieux, les traduire en français. Et y a aussi une culture du chant. Il y a plusieurs, enfin un nombre assez impressionnant de chants de chouans, voilà, qu'on chantait sous la chouannerie. Et honneur suprême pour un chef breton mort au combat, certains chefs ont eu droit à leur propre complainte sur leur mort, dont le fameux Jean-Jean, qui lui a eu droit à un chant racontant sa mort. Julien Cadoudal, le frère de Georges Cadoudal, aussi a eu droit à son chant de guerre. Et son péant. La plus pure tradition celtique, en fait. Donc, cette culture bretonne, en plus, qu'il faut associer à la chouannerie, qui est magnifique. Qui donne son petit caractère. Une autre citation d'un chant, « Avec la nation, il ne faut obéir à aucun dieu, à aucun roi. » Avec la nation, qui a remplacé Dieu et le roi. Ouais. Assez. Ça est bien d'actualité. Un autre chant, ils se sont mis dans l'idée de composer une loi nouvelle. Voilà. Exactement. Ça, c'est leur manie. Qui fait référence. C'est leur manie de faire des lois nouvelles. Là, plus précisément, ils font référence à la Constitution. Et c'est très drôle de voir que, du coup, vous l'avez lu dans le livre, les prêtres, les futurs prêtres réfractaires, partaient en guerre au début contre la Constitution. Pourquoi ? Parce que pour eux, ça remplaçait la loi divine, la loi naturelle. Mmh. C'était une loi inventée par des hommes et qui prétendait régir tous les aspects de la vie. C'était contre la Constitution en premier. Quand ils disent, voilà, la loi nouvelle, c'est précisément la Constitution. Et après, d'autres lois qui sont arrivées après, mais oui. On est dans le détail. Hein, ouais. Et à propos de Dieu, justement, le voici maintenant détruit par des hommes traîtres à Dieu. L'aspect religieux, du coup. C'est un livre très profond, qui va très loin. C'est un livre identitaire, comme je les aime. C'est quand même étonnant, ni Monsieur de la Sicotière, ni Jean-François Quiap, ni Jean-Cille de Ventavon, aucun de ces grands historiens n'a évoqué Pierre Duchéla. Non, Jean Quiap très très vite. Ah, Jean Quiap, oui. Mais il a repris les quelques banalités qui avaient été écrites avant. Vous me rassurez. Aucun intérêt. Jean Quiap en a parlé. Vous devez trouver 10 mots sur Duchéla. Jean Quiap, oui, mais il a tellement, à peine. Il a tellement balayé. Ouais. C'était ça aussi le problème, de vouloir faire des ouvrages toujours généraux sur la chouannerie. Ah oui, oui. Histoire de la chouannerie, histoire générale de la chouannerie. Il faut revenir dans le détail. Vous savez ce que c'est l'histoire ? Ce sont des carottages. Des carottages, oui. Des carottages comme en science, comme dans un laboratoire. Oui. Rénal de Sécher analyse tous les morts, tous les habitants de la chapelle Basse-Mère. Le roi Ladurie fait un livre sur le climat, sur une petite ville en Occitanie. Si vous ne touchez pas la chair d'une terre, la chair de ses habitants, vous balayez des idées, des idéologies. Exactement. Et ce n'est pas la vérité. C'est bien que des idées… Ce n'est pas la vérité. Pas forcément toujours parlant. Pierre Duchéla, vous avez été un merveilleux historien avec ce chouan oublié, le lys et le lin. Merci beaucoup. Et je crois que vous avez un autre livre en préparation. Oui, sur un autre sujet. Alors, un peu spoil en avance. Un autre sujet d'étude qui m'a beaucoup intéressé sur la dernière guerre franco-suisse en 1815. Pendant les 100 jours, la Suisse entre en guerre officiellement contre la France napoléonienne. Il y a toujours un lien avec le royalisme, puisque c'est pour le soutien à la maison des Bourbons que la Suisse, la vieille Suisse aristocratique, a décidé d'entrer en guerre. C'est un livre qui va être encore plus conséquent et qui va refaire découvrir cet épisode en France et le remettre un peu en lumière en Suisse où il a été mis de côté. C'est pas très glorieux. C'est très bien. Et ce sera toujours au lys et au lin ? Toujours. Donc, chers amis de TV Liberté, allez dans cette maison d'édition et vous serez comblés pour votre été. À très vite. Au revoir. Au revoir. Merci.